Ce célèbre opérateur de téléphonie lance sa banque en ligne. Il a vite convaincu ses premiers clients. Les possibilités qui m'intéressent, c'est zéro frais de tenue de compte. Quand on perd la carte, on peut la bloquer via l'application. Et les SMS aussi, qu'on peut envoyer de l'argent en faisant des SMS. Ici, tout est plus facile. Plus besoin d'agence, tout se fait via une application mobile. Une consultation de compte instantanée ou un conseiller virtuel disponible 24h sur 24, capable de répondre à plus de 400 questions. Pour son directeur, la banque en ligne est bien une nouvelle génération de services, indispensable à nos vies. La proposition aujourd'hui d'Orange, c'est de dire nous connaissons parfaitement nos clients au travers de leur mobile, de leurs usages, et puis nous connaissons aussi les clients au travers du paiement, puisqu'on a 40 millions de clients qui utilisent Orange Money en Afrique. C'est l'alliance des deux qui fait que nous avons une proposition intéressante aux clients de retrouver la banque sur leur mobile et de se réapproprier la banque en termes de simplicité, flexibilité sur le smartphone. Avec des paiements de plus en plus dématérialisés, notre banque devient un outil du quotidien qui tient dans la poche. Avec 800 ouvertures par semaine en métropole, ses dirigeants comptent sur la Guadeloupe pour faire évoluer ce chiffre. Ils espèrent atteindre les 2 millions de clients en 10 ans.